Bonjour, je fais le pari qu'à la fin de cette émission, vous vous sentirez mieux. Pourquoi ? Grâce à mon invité. En effet, l'invité qui est sur ce plateau est un homme rassurant, réconfortant. Il a une voix qui hypnotise. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là. On s'est rencontrés déjà à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que vous nous passionnez. Vous scrutez l'âme humaine, et cela depuis bientôt 50 ans. Vous êtes le psy qui réconforte les Français. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir parler de votre nouveau livre, Ivre, paradis, bonheur, héroïque, sur le mythe du héros. Alors, on a beaucoup de questions, évidemment, à vous poser. Tout d'abord, moi, je me demandais, parce que tous les psys s'accordent à dire que l'enfance, c'est une période fondatrice. Mais est-ce que, lorsque l'on rate son enfance, on rate aussi sa vie d'adulte ? Quand on rate son enfance, on est un mal parti dans l'existence. Ça ne veut pas dire qu'on rate sa vie adulte. Quand on réussit son enfance, on est un bien parti dans l'existence. Ça ne veut pas dire qu'on réussit sa vie adulte. Donc c'est quand même un élément clé, évidemment, l'enfance. Mais ensuite, à nous de construire notre propre vie. Voilà, ensuite il y a tellement d'autres événements, tellement d'autres influences que ça peut s'améliorer ou ne pas s'améliorer. Vous vous rendez compte ? Je n'ai pas changé. Vous étiez très jeune, Boris Cyrulnik, quand vos parents ont été déportés. Vous aviez conscience, Boris Cyrulnik, de la tragédie qui vous entourait ? J'avais conscience que la mort nous entourait. D'abord parce que mes parents avaient disparu, parce qu'il y avait la guerre et que tout le monde parlait de mort, parce que ma famille avait disparu et parce que quand j'ai été arrêté, on me disait clairement que c'était pour me mettre en mort. Donc c'était une conscience très claire. Quels souvenirs vous gardez de vos deux parents ? Étant orphelin très jeune, les orphelins sont les seuls à avoir des parents parfaits. C'est-à-dire... On les idéalise ? Voilà. J'avais une mère, j'ai une photo de ma mère, et je fais partie des rares hommes à avoir une mère qui est restée toujours jolie. C'est elle. C'est elle. Toujours jolie, toujours belle, toujours souriante. Et mon père s'était engagé dans le régiment des volontaires étrangers. Et j'étais très fier de lui parce qu'il avait un calot de l'uniforme de l'armée française. Et il a toujours été juste, jamais fatigué et toujours de bonne humeur. Vous avez été arrêté par la police française, vous aviez 6 ans et demi. Vous avez réussi à vous échapper, on connaît maintenant votre histoire. Est-ce que vous avez vu donc celui qui vous a dénoncé lorsque vous étiez si petit ? Est-ce que c'est un visage, une silhouette qui vous hante encore aujourd'hui ? C'est un uniforme de scout et ça ne m'a jamais hanté. Mais j'ai dû pratiquer un déni efficace puisque j'ai compris qui m'avait dénoncé. Je l'ai compris longtemps après la fin de la guerre. C'est-à-dire que c'était un ami des gens qui risquaient leur vie pour me cacher, pour m'héberger, qui m'ont sauvé. Et cet ami, le fils était scout et cet ami est venu en uniforme scout et c'est lui que j'ai retrouvé à la table qui orientait. Il y avait deux tables, une table qui orientait vers la mort et l'autre vers nous orienter vers la mort. Et on savait encore moins que et à ce moment-là, j'ai compris. C'est lui qui m'avait dénoncé. Pourquoi ? Mais parce qu'il a sursauté en me voyant. Oui, mais pourquoi vous êtes-il dénoncé ? Probablement parce que j'étais juif et on a retrouvé le barème de dénonciation. 300 euros pour un juif important, 50 euros pour un enfant. En plus, il ne faut pas oublier que dénoncer un juif dans ce contexte-là, c'était un acte moral. C'est-à-dire que les nazis disaient héroïser ceux qui avaient le courage de dénoncer un juif, même un enfant. Donc c'était une époque un peu particulière.
Vous parliez à l'instant d'héroïser. On va beaucoup parler des héros durant cette émission. Vous avez eu des héros durant votre enfance qui vous ont permis peut-être de renaître, en tout cas peut-être aussi de soigner vos plaies. Votre portrait par Magali Defer. On a besoin d'un héros pour se construire. Et ça vaut aussi pour vous, Boris Cyrulnik. Les héros de votre enfance vous ont inspiré, guidé, et grâce à eux, on en sait un peu plus sur votre personnalité. À commencer par le jeune héros d'Hector Malot. C'est une de mes premières lectures, et Rémi racontait mon histoire. Comme lui, vous êtes orphelin. Vos parents sont déportés à Auschwitz alors que vous n'avez que 4 ans. Ils ont disparu, comme presque toute ma famille. Sans famille, vous échappez de peu à la Gestapo. De cette enfance tragique, vous en tirez une rage de comprendre la folie des hommes et populariser le concept de résilience, vous qui en êtes un exemple vivant. On a tous notre part d'égratignure, mais il faut apprendre à en tirer parti. Pour mieux cerner les hommes, vous observez d'abord les animaux et devenez éthologue. Rien d'étonnant, puisqu'enfant, vous vous rêviez en Tarzan. Quand je serai grand, j'aurai un slip en peau de bête et je sauverai les animaux. Bon, c'est un peu raté pour le slip en peau de bête. Mais vous avez rencontré votre Jane en Florence, votre épouse depuis plus de 50 ans. Et à défaut de pousser le fameux... Vous parlez couramment le goéland. Et puis vous observez l'homme que vous examinez, décodez, analysez jusqu'au moindre de ses poils. Il y a des poils de gauche et puis il y a des poils de droite. Mais surtout, comme Superman, autre héros de votre enfance, vous sauvez les âmes blessées. Pour moi, c'était comme une mission. Il fallait que je devienne médecin. Oh oui ! Vous enfilez votre costume de super psychiatre et redonnez espoir aux Français dans vos livres, tous des best-sellers. Avec votre sourire réconfortant, votre voix sécurisante vous rassurez et captivez. Vous ensorcelez rien qu'en agitant la langue. Ouais. Un super héros, je vous dis. Quoique, il vous reste encore à apprendre à voler. Apprendre à voler, ça c'est le rêve d'Icare. Hein. Oui, tout à fait, c'est un peu dangereux, mais effectivement, on vole. On s'imagine, aussi on vole en imagination. Il y a des rêves de vol chez les enfants. Et quand les enfants sont contraints, presque tous les enfants rêvent qu'ils volent. Et quand j'étais emprisonné ou enfermé, je rêvais qu'en agitant les jambes très fort, on pouvait s'envoler. Et je finissais par y croire. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez retenue, Boris Cyrulnik, de votre observation des animaux? Plus j'observe les animaux, plus je comprends les êtres humains. C'est-à-dire qu'en observant les animaux, on comprend que la parole crée un monde humain qui est à la fois merveilleux et terrifiant. Les deux, en même temps. Quand j'observe les animaux, je comprends à quel point l'affectivité est fondamentale pour la survie, pour les animaux et pour les êtres humains. On a la même structure cérébrale, on a les mêmes neurohormones, on a les mêmes émotions qui ne sont pas déclenchées par les mêmes choses. Un chien n'est pas un être humain, mais je me rends compte qu'on partage énormément de choses avec les animaux. Et ce qu'on ne partage pas, c'est-à-dire le monde de l'artifice, l'artifice de l'outil et surtout l'artifice des mots, ça crée un monde merveilleux et ça crée aussi le monde le plus terrifiant qui soit. Oui, mais à la différence aussi des animaux, les humains savent qu'il y a une fin, qu'ils vont mourir. Alors, oui, mais on dénie bien. Hein. Papa Freud disait que la mort n'existe pas dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'on est doué pour le déni, on est doué pour le refoulement, on s'arrange bien avec ça. Alors les animaux ne dénient pas, n'ont pas de refoulement, mais je crois qu'ils perçoivent le mort, et je crois que certains animaux qui ont un cortex très développé, proche du nôtre, commencent à se représenter la mort, c'est-à-dire quelque chose qui les inquiète. On voit des chats complètement déboussolés par un chat mort, anxieux au sens chat du terme. Ils n'ont pas de comportement adapté, ils avancent, ils reculent, ils ont des mydriases, des pupilles dilatées, tous les comportements d'alerte. Mais ça, c'est la perception du mort. Alors que chez les grands singes, chez les éléphants, il y a possiblement une représentation de la mort. Parce que quand un grand singe meurt, le groupe est désorganisé pendant plusieurs semaines. Et alors, quand un éléphant meurt, l'année d'après, les éléphants reviennent fouiller, chercher l'endroit où le membre de la tribu est mort. Ils mettent des branchages, ils ont des comportements étranges et le mort n'est plus là. C'est la représentation de la mort qui commence à apparaître chez eux. La souffrance animale est au cœur hein, des débats, notamment avec le scandale des abattoirs. Est-ce que, par exemple, comme le faisaient les autres générations, mais ça se fait aussi encore dans les campagnes, tuer le cochon, dépecer un lapin après l'avoir chassé, ébouillanter un homard, est-ce que, pour vous, ce sont des gestes de cruauté ?
plus, quand on aura bien compris à quel point les cochons sont intelligents, le nombre de problèmes qu'ils arrivent à résoudre, et surtout des problèmes mathématiques et des problèmes affectifs, relationnels, on aura du mal à manger des cochons, pour des raisons non religieuses. Les calmars arrivent à résoudre aussi des problèmes mathématiques très difficiles. On ne peut plus tout se permettre, on n'a pas vraiment le droit de tuer quelqu'un qui pense, un être vivant qui pense. On ne peut plus tout se permettre. Il y a des freins, ça ne va pas disparaître en quelques jours, mais un frein va se développer progressivement qui fait qu'on devra respecter de plus en plus ces êtres vivants qui sont différents de nous et qui nous posent beaucoup de problèmes humains. Vous êtes végétarien ou même végétalien, vous ? J'adore la viande. J'adore notamment... Alors, jusqu'à maintenant, j'étais tranquille. Et maintenant, chaque fois que je mange un poulpe, je me dis, mais peut-être qu'il a été attaché. Quand un cochon, peut-être... Alors, les cochons ont conscience de la mort. Quelque chose se prépare, les vaches aussi. Et on le sait, parce que quand les cochons sont amenés à l'abattoir sans être sécurisés, leur viande a un goût pisseux. Ce qui fait que, pour des raisons d'hygiène, on doit jeter cette viande. Donc, les éleveurs de cochons savent qu'ils doivent sécuriser leurs cochons. Donc, on a la preuve que ces animaux éprouvent des émotions... Ils sont stressés. Et voilà, et probablement très proches des nôtres. Qu'est-ce que c'est un bon psy ? C'est celui qui dit au revoir. Le bon psy, c'est... Au revoir à tout jamais. Au revoir, vous allez mieux. En allant mieux, vous me soignez bien. Qu'est-ce que je suis content, vous alliez mieux. Au revoir, voilà, ça c'est le bon psy. Les attentats qui ont touché la France l'année dernière, avec la menace terroriste, avec un peu ce climat de peur anxiogène que l'on connaît, est-ce que l'on peut parler de résilience, mais cette fois à l'échelle d'un pays ? Clairement, oui. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits par les Américains, par les Japonais, sur les résiliences collectives ou les résiliences de groupe. On sait qu'il y a des groupes agressés qui réagissent tellement mal à l'agression qu'il y aura dans ce groupe-là, il y aura un très fort pourcentage de dépression, de troubles psychologiques et de syndromes psychotraumatiques. Alors que d'autres groupes, au contraire, ont d'autres modes de réaction qu'on commence à analyser, qu'on commence à connaître, qui fait qu'on peut prévoir que dans ce groupe-là, il y aura beaucoup moins de dépression et de syndromes psychotraumatiques. Donc il y a des effets de groupe, des manières de se solidariser, des manières de parler, qui fait que des groupes sont très vulnérables et restent vulnérables, donc ne déclenchent pas un processus de résilience, et d'autres groupes, au contraire, où la solidarité et la recherche de compréhension sont tellement intenses, et la recherche de racines sont tellement intenses, que dans ce groupe-là, il y aura très peu de troubles psychologiques. Vous êtes assez critique, Boris Cyrulnik, à l'égard des cellules psychologiques qui sont mises en place, notamment dans le cadre des attentats. Je ne dirais pas comme ça. Non, ces cellules sont un immense progrès. Je suis critique pour deux choses. Forcer les gens à parler, il faut être présent, que les gens blessés sentent qu'il y a un soutien. Mais ils parleront quand ils auront envie de parler, quand ils seront suffisamment apaisés pour éprouver le besoin de comprendre. Deux temps, apaiser, comprendre. Je suis critique pour les cellules psychologiques où des gens sans formation disent « Parlez, sinon vos enfants deviendront psychotiques. » Ça, ça ne me plaît pas. Je suis critique quand je vois que des hommes et des femmes politiques viennent faire leur marché pour montrer leur nez dans des tragédies humaines et puis ne parlent pas aux enfants blessés, ne parlent pas aux blessés et rentrent vite reprendre leur travail. Ils sont venus là pour montrer leur nez à la télévision. Voilà. Alors que le travail doit se faire, bien sûr. Maintenant, ces cellules sont très utiles, mais elles sont nécessaires et très utiles. Elles ont encore des progrès à faire, mais elles sont trop vite récupérées par des gens qui ne connaissent pas la question ou qui veulent s'en servir pour se faire connaître. Je voudrais que vous regardiez ce témoignage. Aurélie était sur ce plateau de Thé au Café il y a quelques mois. Elle a perdu son compagnon, Mathieu, dans l'attentat du Bataclan. À l'époque, elle attendait un enfant, qui est une petite fille, Thelma, et elle témoignait sur ce plateau en expliquant qu'elle refusait la notion de compassion. La compassion que vous renvoient les autres, c'est un fardeau ? Oui.
Oui, vraiment. C'est une des choses les plus compliquées d'ailleurs. C'est le regard des autres. C'est à la fois c'est formidable de vivre son deuil avec toute la France, et à la fois c'est très difficile d'être regardé comme la veuve et l'orphelin dans la rue, quoi. Voilà. D'autant plus quand on a ma posture à moi qui est de dire, eh bien, très bien, ça nous est arrivé. Maintenant, on est debout. Et ça, c'est très important pour moi. On est debout, on continue et on y va vraiment, quoi. Et vraiment, j'essaye d'emmener mon fils dans quelque chose de très positif. Au contraire, de dire, bon, bah maintenant, on ne va plus rigoler, quoi. On y va, franchement. Et donc, quand on nous renvoie une empathie, une compassion, bon, voilà, c'est souvent à côté, en plus, parce que chacun projette sa propre histoire sur la nôtre. Et personne ne peut imaginer ce qu'on vit. Aurélie et son refus de la compassion et de l'empathie, vous la comprenez ? Je comprends très bien son refus de la compassion, mais je suis un peu en désaccord pour son refus de l'empathie. C'est-à-dire, la compassion, un blessé n'a pas de compassion à attendre, il est blessé, il faut le soutenir, l'aider pour que c'est une relation d'aide, c'est pas du tout forcément une victime, c'est une connotation juridique, alors que là, c'est un être humain qu'on se doit d'aider, pour l'aider, pour avoir envie de l'aider, il faut qu'il y ait un peu d'empathie. C'est-à-dire que les pervers n'ont aucune empathie, les psychopathes se foutent de la souffrance des autres et ils n'iront pas aider. Donc je pense que l'empathie est nécessaire pour vivre ensemble. Cherchez à comprendre ce que vous comprenez, cherchez à comprendre ce que le blessé ressent. Donc l'empathie est nécessaire, mais la compassion, c'est un peu une relation de haut en bas, c'est un peu une relation méprisante et je comprends très bien qu'elle la refuse. Quelles sont, selon vous, les bonnes raisons, en fait, de croire en l'avenir, dans le futur ? C'est difficile de ne pas y croire, parce que on est structuré neurologiquement pour y croire. C'est-à-dire que on est, parmi tous les êtres vivants, on est l'espèce qui a les plus gros lobes préfrontaux, qui sont le socle neurologique de l'anticipation. C'est-à-dire que quand on anticipe, on cherche à imaginer ce qui nous attend. Quand je serai grand, je serai fort. Quand je serai grand, j'aurai un diplôme, je visiterai la planète. Moi, quand j'étais enfant, je disais, quand je serai grand, je serai musclé comme Tarzan, j'aurai un slip en peau de bête et je rencontrerai Jane. Et cette anticipation, c'était un rêve, mais qui m'a sauvé, qui m'a protégé. C'est difficile aujourd'hui, mais demain, il va se passer, je vais rencontrer Jane, je vais rencontrer des gens, et ça va bien se passer. Et ça s'est pas mal passé. Alors vous aussi, vous aimez la beauté du paysage, la beauté de la mer, vous êtes très attiré par la mer. Quand on connaît Boris Cyrulnik, on sait qu'il aime les pointus, qu'il aime les bateaux. Voilà, que c'est quelque chose de très important, effectivement, dans votre personne. Vous habitez, en plus, dans un lieu magique, au bord de la Méditerranée. On est allé vous rencontrer, vous nous avez accueillis chez vous, à la Seyne-sur-Mer, Magali Defer et Benoît Ruiz étaient avec vous. Bonjour, entrez. Ça fait 30 ans que j'habite ici, une maison au bord de l'eau, qu'on a retapée, on a soulevé les parpaings, on a fait la peinture. Ce qui fait que pendant 2 ans, on a été d'une beauté physique extraordinaire et je ne recommencerai jamais de ma vie. Vous avez les tableaux de ma femme, le piano de mon fils, qui est musicien. Et vous avez ici un dispositif inspiré par Papa Freud, mon père spirituel, où il mettait des tapis sur les murs, des tapis sur le divan et des tapis par terre. Donc je fais mon petit Freud. Je suis bien entouré par des photos et par des livres. Les escaliers, le grenier, sont devenus une annexe de la bibliothèque. Et ça permet de faire des efforts physiques en même temps pour aller chercher les livres. Donc c'est la tête et les jambes. Alors ici, c'est là où je passe l'essentiel de mon temps. C'est-à-dire la solitude que j'aime bien, l'austérité du travail que j'aime bien. Quand on est seul, on plonge, on va rechercher les auteurs, on va rechercher des souvenirs. C'est une solitude peuplée. J'ai tous mes livres à portée de la main. Et puis voilà, il y a mes idées. À moi, ici, le contenu de ma tête concernant les livres, il est dans ces casiers. Quand je voyage dans l'avion, dans le train, je prends des notes. Même après notre discussion, je prendrai sûrement 2-3 fiches que je vais classer. Les idées s'accumulent. Et un jour, j'en ai besoin, toc, 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 comme sur un ordinateur.
je prends mes idées et je peux rapidement rédiger un article. Ça me coûte une fortune en fiche, vous savez, penser ça coûte cher. Hein. Et vous n'êtes jamais à court d'idées? Jamais, je suis plutôt incontinent d'idées. Je n'ai que 4 honoris causa, j'en suis assez fier, ça me sécurise. Ces gens-là me disent, on reconnaît l'intérêt de votre réflexion et de vos travaux. Donc voilà, ça c'est mon tranquillisant naturel. Quand je suis anxieux, je les regarde et je vais mieux tout de suite après. Je propose de vous emmener maintenant au fort Balaguier parce qu'il y a à la fois de l'histoire et une vue extraordinaire. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est un lieu culturel qui raconte l'histoire de la ville et une partie de l'histoire de France aussi. L'aventure napoléonienne est partie d'ici, de là où vous êtes. C'était le bagne avant ici, et ces bagnards ont fait des œuvres d'art magnifiques. Les seules relations humaines qu'ils avaient, c'était avec les médecins de la marine. Et ils offraient aux femmes des médecins de la marine, ils leur faisaient des tableaux, ils leur faisaient des colliers de coquillages. Ces hommes gardaient une tendresse au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'alors qu'ils étaient torturés par le bagne, ils gardaient le talent de transformer l'horreur en œuvre d'art. Moi, j'ai toujours eu des problèmes dans toute mon histoire avec l'autorité ou avec l'interdit. Peut-être que je suis en vie parce que je n'ai pas respecté les interdits et que je ne me suis pas laissé emprisonner. Je pensais qu'il fallait que je m'échappe quand j'étais emprisonné à l'âge de 6 ans et demi. Et donc, probablement, ça a été ma première rébellion. Ces hommes-là, si on leur avait offert une protection sociale et une relation, ben à ce moment-là, on s'humanise et un interdit se met dans notre âme. On ne peut plus tout se permettre. Je pense qu'on a le même problème avec ce qu'on appelle vilainement les gosses des quartiers. Au lieu de les juger et au lieu de les réprimer, si on les éduquait, on éviterait tout ça. Boris Onik, je voulais vous offrir quelques fiches vierges. Elles pourront vous être utiles. Ça tombe bien, ça fera une demi-heure de travail, merci. Est-ce que vous allez faire une fiche sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement sur le plateau Thé au Café? Très probablement. C'est vrai? Ah oui, oui. Pour dire quoi? Ben pour dire ce qui vous a intéressé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'a intéressé? Pourquoi est-ce qu'elle m'a posé des questions sur ce sujet? Donc, ce qui vous intéresse, m'intéresse. Il est vrai qu'on met toujours en valeur votre voix. Votre voix, elle est très rassurante. Je disais tout à l'heure qu'elle était presque hypnotisante. Vous la travaillez, cette voix? Oui, j'avais une voix beaucoup plus douce et beaucoup plus hypnotisante avant. Bon. Et maintenant, je pense qu'elle l'est beaucoup moins. Mais je ne m'entends pas parler. Donc, je ne sais pas, on me le dit, ça ne m'ennuie pas. Hein. J'aurais dû être crooner, peut-être. Mais je ne m'entends pas parler. Pourquoi vous souhaitez devenir centenaire? Parce que je ne suis pas très ambitieux. Alors, quand j'étais enfant, j'espérais devenir bicentenaire. Et maintenant, j'ai réduit mes ambitions à 100 ans. Je trouve que ce n'est pas beaucoup. Hein. Je commence à peine à envisager un début de réponse aux questions que je me posais quand j'étais enfant. Donc, ce n'est pas beaucoup, 100 ans. Alors, travailler, vous le faites depuis de nombreuses années. Vous rendez au public, évidemment, vulgariser, je suis sûre que vous n'aimez pas le mot, bien évidemment, mais vous aidez, en fait, ceux qui ne connaissent pas votre discipline, à tenter de comprendre les rouages, évidemment, de l'humain, du cerveau. Et là, vous venez de publier ce livre. Alors, c'est vrai, déjà, le titre, c'est tout un programme, puisque vous dites « Ivre paradis, bonheur héroïque ». C'est un poème. Oui, oui, ça me fait plaisir que vous disiez ça. Oui, c'est un poème, mais les poètes, par le flou des mots, suggèrent beaucoup de choses. C'est ce que j'espérais faire. Ivre paradis, c'est vrai que certains paradis, on y accède seulement en extase, quand on est en pleine ivresse. Cette ivresse, elle est provoquée par des représentations. Et bonheurs héroïques, c'est vrai que les héros promettent le bonheur et que souvent, c'est des marchands de malheur. C'est-à-dire que, autant tout à l'heure, je disais que j'avais besoin de héros pour me construire quand j'étais enfant. Sans eux, je serais resté petit, faible, avec une mauvaise image de moi. Et grâce à eux, j'ai pris espoir. Et autant il est nécessaire d'avoir des héros, autant il est parfois dangereux de se laisser embarquer par certains héros. Alors, on a voulu savoir,
Ce que les personnes qui sont dans la rue, c'était vraiment le hasard de la rencontre. C'était dans votre région, dans le Var. Et on a interrogé quelques personnes. Magali Defer leur a demandé, alors, un héros, quelle est votre définition? Qui sont-ils? Un héros. C'est celui qui fait des choses extraordinaires. Les héros. Candy. Les Cat Size. Superman. Bah, c'est quelqu'un d'un peu magique qui fait rêver les gens. Quelque chose qui a été fantasmé pour essayer de se surmonter. Une personne exceptionnelle. Ça n'existe pas, les héros. Mais bien sûr que ça existe, les héros. Quelqu'un qui pourrait mettre sa vie en danger pour sauver quelqu'un d'autre. Le mec qui te sauve, deux mecs qui se noient en pleine mer. Les Américains qui ont sauvé des gens dans le Thalys, quoi, voilà. Et le héros dans la vie, alors pour des kilos. Hein. Mais si, il y a des héros. Là, je sais pas, je pense à Jean Moulin, par exemple. Il y a des gens comme ça qui, parce qu'ils ont fait des belles choses, je les considère comme des héros. Quelqu'un comme Napoléon, pour moi, c'est un héros. C'est quelqu'un qui va défendre une noble cause, qui va prendre le flambeau, qui va défendre l'intérêt général et qui va défendre une cause et qui va faire tout ce qu'il peut pour y arriver. Gandhi, c'est un héros, mais dans le fond, c'est un symbole. Eux, ils ne se considéraient pas comme héros. Voilà, je pense qu'ils se considéraient juste qu'ils faisaient leur devoir. Et en fait, c'est l'histoire qui a fait que ça lui est... Un vrai héros, il est plutôt anonyme, d'ailleurs. Peut-être que nous, un jour, on sera peut-être appelé à faire un acte héroïque, pourquoi pas. Tout le monde peut devenir un héros? Non, je pense que les héros existent dans les récits, ça a été bien dit, d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles. Donc un surhomme? Oui, alors non, c'est pas un surhomme. Le surhomme, il est plus quelque chose, alors que le héros, c'est quelqu'un qui, comme moi... ou comme nous tous, a été blessé et s'est remis à vivre quand même. Donc le héros est plus proche de l'esprit de la résilience, alors que le surhomme, c'est plutôt celui qui est supérieur aux autres. Alors qui est invulnérable. Et le surhomme est invulnérable, alors que le héros est vulnéré, c'est-à-dire il est blessé par définition. Quelqu'un disait aussi dans ce petit sujet, les sauveurs du Thalys, ils évoquaient aussi Lassana Bathily, qu'on pourrait aussi évoquer dans l'hypercacheur, qui a caché justement des otages. Qu'est-ce que ces personnes, en fait, de Boris Cyrulnik, ont de plus? Alors, je pense que ceux qui ont eu un comportement héroïque ne se sentaient pas héros. Pas plus, c'est un Somalien qui a caché... Un Malien. Il ne voulait pas être un héros. Il était humain, comme Germaine Tillion. Même réaction. Elle voulait simplement être humaine. Et elle disait, Germaine Tillion disait, je ne supporte pas de voir ça, donc je réagis humainement. Comme l'a fait ce Malien qui a dit, je ne peux pas voir tuer des gens qui ne m'ont rien fait, donc je vais, puisque j'ai la possibilité de les protéger, je vais les protéger. Mais je ne suis pas un héros, je suis au contraire un être humain parfaitement normal. Et c'est après, dans les récits, qu'on peut en faire des héros. Ça a été dit aussi par mes amis du Var, ça a été dit, c'est dans le récit qu'on héroïse les gens. Certaines personnes ont fait des actes fantastiques, d'un courage et d'une utilité extraordinaire, on n'en parle pas. On ne sait pas que ce sont des héros. Et d'autres, au contraire, ont fait des petites performances et le récit les a transformés en gloire et en mythe. Alors les djihadistes ont le sentiment aussi de mourir hein, en héros. Ils ne sont, dites-vous, que des anti-héros, des héros négatifs, des pantins déstructurés. Oui, ils sont la plupart... C'est-à-dire que dans ces enfants, ces adolescents, ces jeunes... qui se laisse embarquer par une croyance. On a les études qui ont été faites. 40% sont des enfants de chrétiens, de familles bien élevées. 40% sont des familles de gentilles familles musulmanes qui font leur travail bien à l'école, apprend un métier et devient un gentil français. 1% sont des enfants de juifs. 19% sont des enfants de familles sans Dieu. La plupart de ces enfants s'occupent, de ces familles, s'occupent bien de ces enfants. Qu'est-ce qu'on en conclut? Et sur le recensement sur 8400 adolescents recensés, il y a 100 psychopathes. Presque pas. C'est 100 psychopathes. Pour moi, psychopathe, c'est même pas psychiatrique. C'est carence éducative grave. C'est déculturation
grave. On n'apprend pas à parler. On n'apprend pas l'empathie qui permet de visiter, de découvrir le monde des autres. 100 sur 8400. Et ces jeunes-là sont des gogos. Ils sont exploités. Ils sont escroqués par des gens qui en font des armes bon marché et qui la font commettre des actes terroristes. C'est vraiment des enfants qui ont été escroqués par une idéologie qu'ils ne connaissent pas. Je pense que dans ces tragédies qui touchent plusieurs milliers d'enfants, d'adolescents en France, la plupart ont eu des gentilles familles. La forte majorité a eu des gentilles familles où le père était présent. Mais c'est une défaillance culturelle qui fait que ces enfants ont été privés d'initiation. Ils n'ont pas été accueillis par la culture. Toutes les cultures ont inventé des rites de passage. Toutes les cultures ont inventé un mode d'accueil. Tu as 13 ans, tais-toi, t'es un enfant. Tu as 13, 14 ans, t'es plus un enfant, t'es pas un adulte, alors on va t'emmener dans la forêt. Et dans la forêt, tu auras peur parce qu'il y aura des lions, il y aura des sorciers, mais on ne va pas t'abandonner. Notre culture va te dire les mots magiques, les gestes, les danses qu'il faut faire pour triompher du lion, pour triompher du sorcier, pour être plus fort que la mort. Ayant triomphé de la mort, tu es initié. Quand tu reviens, ta parole est celle d'un adulte. Alors en Occident, on a oublié ces rituels d'initiation, ces accueils, ces rites de passage. On en a mis un au point qui est terrifiant, c'est le baccalauréat. C'est-à-dire, pendant quelques années, ne bouge pas, ne t'exprime pas. Apprends quelques phrases que tu vas réciter comme un perroquet. Et quand tu seras reçu à ton bac, peut-être à ce moment-là, tu seras autorisé à faire des études ou à prendre un métier. Vous êtes pour la suppression du bac ? Oui, parce que c'est un rituel d'initiation tragique. C'est bien plus cruel que d'emmener un jeune dans la forêt et de lui apprendre à triompher de la mort. De toute façon, beaucoup de pays ont renoncé, beaucoup de pays avancés, les États-Unis, l'Allemagne, les pays d'Europe du Nord, tous les pays d'Europe du Nord ont renoncé à ce mode de sélection. Ils ont mis au point un mode de sélection bien plus difficile. Tous les matins, tous les jours, tu devras prouver ta compétence intellectuelle et relationnelle. Et j'ai été, il n'y a pas longtemps, à Helsinki. On travaille de temps en temps avec les pays d'Europe du Nord. Ils retardent le développement de leurs enfants. Et après l'équivalent du bac, ils ont une année sabbatique. Et les enfants, les adolescents reviennent. Ils ont eu peur. Ils ont été dans un pays étranger. Ils n'ont pas été abandonnés. Ils ont été entourés par la carte de crédit de maman et de papa, par un système qui les protège un peu. Mais quand ils reviennent, ils ont triomphé de la mort. Ils sont fiers d'eux. Et ces enfants-là, quand ils s'inscrivent dans des études, il y a très peu d'échecs. Alors que ceux qui s'inscrivent n'importe où pour prendre une place, il y a beaucoup d'échecs. Donc je pense que là, c'est pas les familles qui sont défaillantes, c'est la culture qui est défaillante. Et c'est nécessairement l'éducation nationale ? Non, je pense qu'on est tous, on devrait être tous artisans de la culture. L'éducation nationale, oui, c'est elle qui valide les diplômes, qui reconnaît, qui fait les grandes structures. Mais je pense qu'une association de quartier, un club de football minable, un orchestre médiocre ont une fonction d'acculturation très efficace et très grande. On se rencontre, on parle, on produit de la beauté, on est amis, on tisse des liens, on se dispute. C'est la vie humaine. On est tous impliqués dans la culture. Ça ne doit pas seulement tomber du ciel. Si vous voulez bien, Maurice Olnick, vous connaissez bien l'émission. C'est le moment de se retrouver dos à dos. Deux ados avec vous, Boris Cyrulnik, et des réponses du tac au tac. Le cliché sur les psys qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que les psychiatres sont fous et que c'est pour ça qu'ils sont passionnants. La dernière fois, Boris, que vous avez eu mauvaise conscience. C'est de ne pas m'être impliqué plus dans les phénomènes qui se passent actuellement au Proche-Orient. Une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser. Me lever tôt le matin. J'aimerais faire la grasse matinée. Le trait de votre personnalité dont vous êtes le moins fier. C'est la gentillesse. Je pense que c'est une forme de faiblesse. La convention sociale qui vous agace le plus. La doxa, la récitation, le cœur des perroquets. Vous êtes François Hollande là pour le temps d'une journée. Qu'est-ce que vous faites ?
J'hésite pas une seconde, je pars en courant. Le moment de votre vie que vous aimeriez revivre? Quand je courtisais ma femme. Boris, complétez cette phrase. Nous pourrions croire en l'avenir, car... À la condition d'avoir un passé glorieux. À quelle occasion mentez-vous? Quand je dis la vérité. Chez quelle personnalité vous aimeriez pouvoir entrer en catimini? J'ai beaucoup aimé Einstein et Frédéric Dard. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Jamais, étonnamment jamais. Est-ce que vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un? Jamais, étonnamment jamais. La maladie que vous redoutez le plus? Comme tout le monde, la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous avez déjà pris du Viagra? Jamais. La dernière fois, Boris, que vous avez pleuré? Ça m'arrive surtout devant les œuvres d'art, parce que je pense que les représentations déclenchent des émotions plus fortes que la réalité. Si vos petits-fils vous demandaient une définition de l'amour, qu'est-ce que vous leur répondriez? C'est le plus joli moment morbide d'un être humain normal. Et si je vous demande une définition du bonheur? C'est le bonheur de rêver, le bonheur d'espérer le bonheur. Et la musique, ça apporte du bonheur? La musique apporte un énorme bien-être, une extase. C'est un moment magique qu'on pourrait appeler bonheur. Mm-hmm. Et si je vous dis New Orleans, jazz? Alors là, c'est l'extase. Alors là, c'est l'extase. Avec Armstrong. En plus. C'est pas magique, ça? Vous dansez très bien, d'ailleurs. Ça m'est arrivé. Oui, oui, même sur ce plateau, vous avez dansé. Vous continuez? Beaucoup moins, maintenant. Beaucoup moins? Oui. Eh oui. Oui. Maintenant, je regarde les autres danser. Je voulais remercier la personne qui expose sur le plateau de Théo Café aujourd'hui. Il s'agit de Marek Chenet. Il expose jusqu'au 28 mai à la galerie Akie Arici. Sa mère est polonaise, tout comme la vôtre. Marek Chenet, c'est un artiste qui vit en France. Dans ses toiles, les formes s'ordonnent par couches. L'artiste travaille sur les notions de mémoire et de territoire. Et il était bien évident qu'il devait s'exposer sur le plateau Théo Café ce matin. Pour aussi vous rendre hommage à vous, Boris Cyrulnik. Merci à lui, Marek Chenet. Je rappelle Ivre Paradis, bonheur héroïque. Vous êtes toujours chez Odile Jacob. Hein. Vous êtes un homme fidèle, vous. Hein. Ah oui, je suis fidèle à Odile. Fidèle. Hein. Un grand merci de nous avoir rendu un petit peu plus intelligents aujourd'hui. Portez-vous bien, surtout. Hein. Demain, nous serons en compagnie d'Alain Mabankou. C'est un professeur en Californie, mais aussi depuis cette année au Collège de France. C'est un écrivain africain, franco-congolais, un homme passionnant. Et puis Charles-Élie Couture viendra aussi faire un petit tour sur le plateau aussi demain. Donc ne ratez pas dès 7h, thé ou café. Cette émission consacrée à Boris Cyrulnik, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir en replay aussi sur plus.fr, sur notre site France 2 et puis également sur notre chaîne YouTube. Passez une très 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 bonne journée. Portez-vous bien, profitez de la lumière. Elle est longue, la lumière, hein, maintenant. Hein, jusqu'à quoi, 21h au moins, on a de la lumière. Ah oui. C'est pas juin, désirable. Mais juin. Hein. Et puis vous dites bonjour à la mer Méditerranée pour nous? Oui, oui, je vérifie toujours si elle est à sa place. Merci, hein, merci, c'est toujours un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité. Bonne journée, à demain. À demain. You divide whatever I am, me, you divide.
Thank you.